Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans Le Spot, votre magazine de l'actualité des sports outdoor. Nous sommes toujours sous le soleil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons poussé un peu plus au sud jusqu'à Fort-Calquier pour le trail de Haute-Provence. Dans quelques instants, nous recevrons Vincent Guiliani, celui par qui tout a commencé. Mais tout de suite, je vous laisse découvrir le sommaire de l'émission. Entre les montagnes de Lure et du Luberon, le pays de Fort-Calquier est un écrin de paradis au cœur de la Haute-Provence. De ciment plein et de vallons en coteaux, la variété de paysages et la richesse de la végétation en font un terrain de jeu idéal pour les trailers. Aujourd'hui, dans le spot, on vous emmène sur ces sentiers aux mille et une couleurs avec la troisième édition du trail de Haute-Provence, avant de partir pour la Nouvelle-Zélande avec le Red Bull Défiance, un format de course unique réunissant du trail, du kayak et du VTT au pays du long nuage blanc, suivi d'une session kite en Afrique du Sud sur la plage de Big Bay au Cap avec Antonin Rangin sur le King of the Air 2016 pour notre session caméra embarquée. Sans plus attendre, les news et juste après, on retrouve Vincent Guiliani pour tout savoir sur le trail de Haute-Provence. Les Français Antoine Delperro et Alice Lemoigne ont été couronnés dans de jolies vagues sur le longboard pro Vieux Boucau, la première étape du circuit qualificatif mondial de longboard en Europe. En finale contre son frère cadet Edouard, Antoine Delperro a pris le dessus avec 5 superbes vagues pour scorer à 17,40. Alice Lemoigne s'est imposée face à la Brésilienne numéro 3 mondiale, Chloé Calmon. L'édition 2016 du Red Bull Cup Fier a été lancée en Australie. Le spot d'ours a tenu toutes ses promesses. Le terrifiant slab situé à Maroubra, au nord de Sydney, a distillé les plus grosses vagues jamais vues ni surfées sur le spot. C'est l'Australien Russell Birk, 18 ans seulement, qui s'impose avec un score quasi parfait de 19,97 face à Kobe Haberton, Ryan Hipwood et James Adams. La saison 2016 du Red Bull Cliff Diving a débuté au Texas avec les 22 meilleurs plongeurs de haut vol de la planète. Le quintuple tenant du titre Gary Hunt a terminé 4e, laissant sa place de favori au Mexicain Jonathan Paredes. Chez les femmes, la rookie du tour wildcard sur l'étape Rhiannon Hifland a laissé tout le monde bouche bée en s'imposant haut la main au Texas. En 2011, j'ai décidé de me mettre au trail. J'avais couru pas mal sur la route et puis j'avais envie de changer, de me mettre au trail. Et comme premier grand trail que je voulais faire, j'avais décidé de m'engager sur la Diagonale des Fous. Et du coup, il a fallu que j'allonge les distances pour pouvoir être prêt pour cette course. Et ça m'a fait découvrir les merveilleux paysages autour de Fort-Calquier. Et puis, à force d'allonger les distances, un jour, je me suis retrouvé en haut de la montagne de Lure. Et puis je me suis dit qu'une fois que j'étais arrivé là-haut à pied, il fallait que je rentre. Et puis je me suis dit, je suis rentré à pied et j'ai vu ça. Et j'ai vu tous les paysages qu'on pouvait découvrir en partant d'ici, en allant à la montagne de Lure et en revenant. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur ce territoire. Et du coup, j'ai proposé le projet à plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer dans le projet. Les particularités du Trail de Haute-Provence, c'est des parcours qui sont variés, mais vraiment variés, puisqu'on est dans des plaines calcaires très arides, caractéristiques de la Provence. Et puis, on va monter à 1800 mètres avec une montagne de Lure très, très pelée, un peu comme son cousin ou son grand frère, le Mont Ventoux. Alors, 5 courses adultes et 3 courses enfants. Donc, 3 courses adultes le samedi. On va commencer par la plus emblématique, qui est l'Ultra de Lure, qui part à 5h du matin et qui fait une boucle de 77 km. Donc, on part de Fort-Calquier, on va jusqu'au sommet de la montagne de Lure et on va revenir à Fort-Calquier. À 7h du matin, on aura le marathon de Lure qui va partir, qui fait 47 km. Ça part d'une autre commune qu'on traverse, qui est Saint-Étienne-les-Orgues, qui est aussi une des communes qui a permis à ce projet d'exister. Et on va rejoindre le tracé de l'Ultra de Lure tout en bas du Contras, en fait, avant de commencer l'ascension. Et puis ensuite, ces deux parcours vont être communs pendant une trentaine de kilomètres jusqu'à la redescente vers Saint-Étienne. Et de Saint-Étienne jusqu'à Fort-Calquier, tout le monde rentre à Fort-Calquier.
Donc ça, c'est les deux premières courses qui partent donc à 5h, à 7h. Et à 9h, il y a le Trail des Bories qui fait 27 km, qui compte pour le challenge sud-est des trails, qui est la troisième étape de ce challenge, et qui offre aussi un parcours avec 1300 mètres de dénivelé. Donc un parcours qui est très, très demandeur, et avec des parties aussi des parties rapides. Donc ça, c'est les courses du samedi. Les courses du dimanche, qui sont plus portées sur des distances accessibles à tout le monde, puisqu'on a un 16 km qui part à 9h et un 8 km qui part à 10h et qui est une course solidaire, puisque c'est une course qui va nous permettre de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Et donc on reversera en fonction de ce qu'on va récolter le montant, enfin un montant à définir à la Ligue contre le cancer des Alpes de Haute-Provence. Donc ça, c'est les courses adultes. Et le matin, entre le dimanche matin, entre 9h et 10h, on va faire partir les enfants, de tout âge, puisqu'on propose 500 mètres, 1300 mètres et 3000 mètres en fonction des âges. Donc un programme assez complet pour tous les âges et pour tous les niveaux. Avant de découvrir en images l'édition 2016 du Trek de Haute-Provence, direction la Nouvelle-Zélande pour un défi de taille, le Red Bull Defiance, un nouveau concept multisport outdoor sur les terrains variés de la région de Wanaka. Yes, so we're here for 2016 Red Bull Defiance. I would imagine there's some pretty nervous people out there. You know, it's a big couple of days of racing and they know what they've got ahead of them. Pretty nervous this morning. There wasn't too much sleep last night. Well, I'm a little bit nervous just doing the mountain bikes. I hate to think what it's like knowing you've got 2 days ahead. So I think at the moment they're just sort of trying to focus in on doing what they have to do and get themselves across to the start line, and then they'll be all good after that. The international field this year is massive. I think it's well over 50% of the people from overseas. They get water that cold at home. So, you know, that's really exciting, and to see the calibre of the athletes slowly increasing throughout the field as well, and the depth getting deeper and deeper. The hardest leg of the bikes, it's about 15 to 20 k's down the track here, and it's a nasty, nasty hill. Oh, we're going all right. Save the legs. I didn't realize the mountains in New Zealand went straight up. For a lot of people who haven't abseiled before, and then you look over the face of that cliff, and you know it's not optional, so you've got to do it. No, we had a punch right at the beginning, so we just had to hammer it basically to catch up. But we made it. Why is it so deep? Tactics will come into play. I'll probably hug close to the right-hand side of the shore into Glendu Bay and try and put the front of the kayaks into the wind rather than taking it side-on for that kilometre across the lake. From last place to second overall and first mix. First mix. Wow. You know, it compares to the best events that I've raced around the world, so it's awesome. Congratulations, day one in the bag, boys. Here we are, day 2, Red Bull Defiance 2016. Today's going to be about mental and physical toughness. Weather conditions might be a bit colder up top on the mountain bike in the run, so I will just be trying to keep going steady and make sure we take care of ourselves and stay warm up there. Technical plan is bring in there, chug away, talk nicely to my wife, no arguments. It's all about keeping the marriage on the straight and narrow.
real variation on yesterday where we had quite sort of gusty winds on the lake. Quiet this morning, going to be a really fast quiet, very fast paddlers. Pretty excited about that today because that means that they're going to be gaining some time. The trick comes into it once they actually finish the paddle and park the boats because they've got a 2 kilometre run for the Claybird. The last kilometre of that pretty much is uphill. So by the time they get to the Claybird, they're really going to take a little bit of time to just rest themselves a little bit before they get up and shoot. Because if they don't hit a clay and they get 4 shots, they get a 2-minute penalty. So we have a 2-minute penalty box. What's interesting about that is if you look at something like the mixed section at this stage, there's very little between the first, second and third place. So that 2 minutes is going to be crucial. Sorry. Long 2 minutes. So I'm out of the Claybird chute and then they're up Mount Cripple. Probably for most people about an hour, hour and a half straight climbing. So it's a big, big long grunt up on the mountain bikes and then a pretty amazing descent down the far side. The Norwest is pushed right over and got some rain coming down. One factor is you haven't got that howling wind in your face all day drying out, but they will get a little bit colder as they get up onto the tops, and plus the energy levels getting a bit lower and fatigue setting in, that they'll have to think about keeping warm and trying to stay as dry as they can. This is going to be a big run. So we'll start really slow and we warm up pretty quick, then we'll push the pace up. Stand on the top of Mount Roy. This is the summit for the last run. This is kind of the place that everyone's looking forward to getting to. From here you can see Wanaka and it's all downhill. It's a pretty long, consistent climb. That fastest team just went through. It took them nearly 2 hours to get to the top. Another hour home with some really rocky, rough technical stuff on the ridge. Just focusing on me, pushing one step at a time. I wish you could focus a little bit on me. It's timber, timber, timber. Just off the front bunch in the kayak, and then we pretty much made our move on the mountain bike, eh? And 4 or 5k up towards the top were a bit about survival. The downhill was alright, and then Dan kind of got me on toe for the last bit along here and just, yeah, got the job done. Congratulations! I went on autopilot basically from the downhill. And I just wanted to get away from the other things. For me, it's just so amazing to race at home and with the whole crowd and everyone knows you and it's like, oh, Simone, yeah, and everybody just like, goes Simone. Women's only, congratulations, you've won it. I got some blisters coming down Mount Roy, but I think it's just everything is aching, and I think the heat at the end, heat's just killing you. This is a great event. It's tough, but it's very doable. Well done, Passion Dero. Stunning. De retour à Fort Calquier, on en profite pour faire un point matériel et découvrir les dernières nouveautés pour la pratique du trail avant de repartir pour l'hémisphère sud pour notre session caméra embarquée du kite avec Antonin Rangin en Afrique du Sud. Saleva lance la Lead Train, la première chaussure trail avec une semelle Michelin pour vous accompagner sur tous les terrains. Cette chaussure trouve l'équilibre idéal entre haute performance, adhérence absolue, durabilité et légèreté incomparable. La semelle Michelin développée exclusivement en collaboration avec Saleva fournit la touche finale. Son composé spécial outdoor inspiré par les pneus de VTT combine un design sculpté et agressif avec une adhérence optimale. Quelle que soit la saison, quelle que soit votre pratique, Buff vous accompagne. Une arme contre le froid, le soleil, le vent, la poussière et la sueur. En tour de cou, en bandana ou autour du poignet, le célèbre Buff sera votre allié pour courir un ultra-trail. Avant et après la course, Velleda vous propose le meilleur des huiles essentielles et des actifs naturels pour la santé et le bien-être au quotidien. Depuis quelques années, en collaboration avec des athlètes de haut niveau, Velleda développe des huiles et baumes pour préparer les muscles et articulations à l'effort et aider à la récupération.
Venus de 11 pays différents, les meilleurs kiteboarders de la planète se sont retrouvés sur la plage de Big Bay, au Cap, pour la 4e édition du Red Bull King of the Air. Ils ont passé 2 semaines en Afrique du Sud à attendre que le vent se lève suffisamment pour que se déroule cette compétition mythique. Originaire de Charente-Maritime, Antonin Rangin a grandi sur les plages de la côte atlantique. Bercé par ses vents, il commence dès son plus jeune âge à jouer avec cet élément. À 8 ans, il monte pour la première fois sur un kite. Quelques années plus tard, il commence la compétition et enchaîne les podiums. Il faisait partie cette année pour la 2e année consécutive de la prestigieuse liste de riders sélectionnés pour le King of the Air. Nous sommes au cœur de Fort Calquier. Les coureurs du Trail des Boris sont au départ. Ceux de l'Ultra et du Marathon ont été plus matinaux. Le résumé du Trail de Haute-Provence 2016, c'est tout de suite dans le spot. Trois ans et déjà de belles histoires, l'édition 2016 du Trail de Haute-Provence a attiré de nombreux professionnels et amateurs pour vivre cette aventure riche et colorée, parfumée des délicats parfums de lavande et d'aromates. 6 courses au programme sur le week-end, quelle que soit votre pratique, votre défi, il y a un challenge pour vous, de l'ultra au parcours enfant, pour découvrir toute la richesse du territoire du pays de Fort Calquier. En solo ou en duo, l'Ultra de Lure pour les plus courageux avec un départ à 5h du matin pour 77 km et 3500 mètres de dénivelé positif. Un parcours à travers les paysages splendides de Haute-Provence avec ascension de la montagne de Lure. Un trail très beau, technique, rapide et exigeant, 100% nature, 200% plaisir avec une vue à 360 degrés sur le Ventoux, les massifs du Dévelouy et des Écrins, le Verdon et la Sainte-Victoire. Le Trail de Haute-Provence est aussi un format marathon, 47 km pour 2300 mètres de dénivelé positif entre Saint-Étienne-les-Orgues et Fort-Calquier, ou encore le Trail des Boris, un 27 km s'intégrant au Challenge Sud-Est des Trails. Le dimanche, sport, santé et solidarité, le Trail des Mours ouvert à la marche nordique, le Trail Femina Tour, une course plaisir pour soutenir la lutte contre le cancer, et des parcours enfants ont rythmé cette journée gorgée de soleil.
On connaît d'ores et déjà les dates de la prochaine édition. Rendez-vous les 27 et 28 mai 2017 à Fort-Calquier pour vivre l'expérience. Du 21 au 26 juin se tiendra la 9e édition de la Soch Freestyle Cup à Marseille. Cet événement sportif et culturel désormais incontournable dans l'agenda marseillais mixe des compétitions internationales urbaines telles que la Coupe du Monde de skateboard, de BMX et nautique, kitesurf, windsurf, stand-up paddle, avec un festival musique électro dans un cadre idyllique. Compétition hors normes inspirée de la mythique course de ski alpinisme du même nom, la Pierramenta EDF Estival se tiendra les vendredis, samedi et dimanche, 1er, 2 et 3 juillet, à Arèche-Beaufort. Trois jours intenses en prévision avec 70 km, 7000 mètres de dénivelé et presque 600 coureurs au départ. Le même week-end, si vous êtes plutôt vélo, rendez-vous entre Megève et Combloux pour une nouvelle édition de la MB Race, seule course dans le calendrier VTT mondial qui affiche une épreuve d'une journée de si longue distance. La MB Race est la course VTT la plus difficile au monde et est intégrée cette année au circuit de Coupe du Monde Marathon. C'était le Trail de Haute-Provence 2016. Un grand merci à notre invité Vincent Gigliani. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Trek. À la semaine prochaine dans le Spot.